Bonjour tout le monde, c'est Kiba, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts aujourd'hui car on est sur ma chaîne YouTube ou alors sur celle de la communauté FUT parce que je tenais pour une fois à postuler sur une chaîne communautaire. J'espère que ma voix, que mon fun, que surtout mon expertise va vous plaire. Aujourd'hui, petit skill builder, j'aime pas trop son nom, donc on va se contenter d'une construction d'équipe. Skill entre guillemets car il y a 3 joueurs skill dedans. 25 000 crédits grand maximum, vous pouvez le trouver à beaucoup moins cher. Cette équipe date du début de FUT. Il y a des ups qui sont venus se rajouter, des changements de poste, vous verrez bien. Aujourd'hui, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Commençons par le gardien de cette équipe qui va être Marchetti. Ouais, Marchetti, joueur pour moi un des meilleurs gardiens de Serie A, le plus régulier. J'ai pas encaissé trop de buts avec lui, 30 matchs. Oui, je suis pas un joueur un gros joueur FUT, j'ai fait que 30 matchs avec lui. Au joueur est à 130 de matchs à FUT à tout péter. Donc voilà, pour moi un des meilleurs gardiens, meilleur stade de réflexe de Serie A, voilà pourquoi je l'ai pris. Ses acolytes en défenseur centraux. Attention, on a le grand, l'énorme, sénégalo-français, Koulibaly. Kalidou Koulibaly, alors lui il n'est pas français en vrai les gars, il est sénégalais, il a choisi la sélection sénégalaise, ça s'est fait en cours de l'année 2015, fin 2015 pardon, donc du coup il est français dans le jeu, c'est pas plus mal, profitez-en car sur FIFA 17 il sera sénégalais. Son acolyte j'ai mis Bonucci, voilà, pas cher du tout, il est beaucoup moins cher au jour d'aujourd'hui, il est toujours aussi bon, c'est la même carte, mais voilà, j'ai mis parce qu'il est parfait en fait, il est, comment dire, polyvalent, il est solide, il est rapide, il est grand, et expérience surtout, et la bonne petite bouille de l'homme qui pense, j'aime beaucoup. À droite, latéral droit, j'ai mis Fiorenzi, pour moi c'est le meilleur de Serie A à droite, clairement. Ouais, je suis en train de réfléchir, mais en fait, ouais, c'est largement meilleur. Des gens mettent Lindsteiner. Chacun de ses délires. Moi c'est Fiorenzi et j'en suis bien content. Ancien milieu droit, donc des stats assez coquines quand même. Pas en dessous de 70, c'est rare de voir des stats comme ça. Et voilà, il est capable de revenir défendre, il est capable de partir devant et de rendre malade les milieux, les défenseurs. J'ai pas encore marqué, ah oui j'ai marqué un but avec lui, il me semble que j'étais un coup franc en plus. Voilà, excellent. À gauche, notre petit français, Levin Kurzawa. Voilà, vous allez comprendre pourquoi j'ai mis Kurzawa. Pour moi, c'est le seul français qui est potable. Parce que franchement, on est dégueulasse au niveau des latéraux, nous les français. On a vraiment pas de chance. Alors, on a que des daubes. Et Kurzawa, c'est le plus fort des plus nuls. Voilà, en fait. ensuite, milieu central. Commençons par le Rock. Le Las Anadira, l'homme qui revient de loin, et ce qui pourtant bah, nous fait rêver. Si la Ligue 1 se maintient, il fait partie des joueurs qui maintiennent ce triste championnat. Merci Las encore, et merci pour ce que tu fais dans mon équipe, car t'es carrément dingue mec. On va commencer, on va faire avec quels sont ces deux 5 étoiles ici. Le premier 5 étoiles, Mathias Fernandez, mon chouchou de l'équipe. Mon chouchou de très loin car il est juste excellent, il y a rien à dire en fait. Il te livre des caviars, il te fait des frappes qui sortent de chez toi. Bon, je frappe beaucoup la barre en fait avec lui parce qu'il a pas une salle de frappe de ouf. Et du coup bah quand tu pars souvent skidrun et tout et que bah après tu frappes, ça te touche souvent un petit montant. Et t'as l'attaquant que je dirais pas le nom qui est là pour la reprendre souvent et la foutre au fond. Donc voilà, très bon Mathias Fernandez. Oh, milieu offensif, un joueur de Ligue 1, un skiller, un malade. Hatem! Voilà, excellent. Je l'avais en attaquant droit. Et j'avais fait Kiran MOC, j'ai voulu changer. Et je suis pas déçu, je suis pas déçu, il est juste génial. Enfin, tous mes joueurs sont géniaux dans cette équipe, à part Kurzawa que j'aime pas trop. Mais sinon, ils sont tous géniaux. Alors lui, il est exceptionnel. Hatem Ben Arfa. Bon, évidemment, vous voyez des matchs 3 buts, vous dites « Ouais, mais c'est le début, c'est pas ouf. » Ouais, mais je l'avais en AD avant. Et en AD, il faisait du sale. Du très sale. Attaque en gauche, Paul George. Le petit rapide. L'insolent. Qui met des buts à 4 pattes de la tête.
Georgiantep, voilà, j'adore ce joueur. Je le mets parce que bah il va bien dans l'équipe et il est dans toutes mes équipes presque. Alors voilà. Attaquant droit, Juan Cuadrado. Voilà. J'aime pas ce joueur en vrai, mais son parcours il est ouf quand même. Il est revenu de loin. La grosse connerie de signer à Chelsea, il est revenu à la FIO, il a rebondi à la Juve parfaitement. Il est juste génial. Génial ce joueur. Voilà, Cuadrado, excellent. Attaquant, finissons. Pour moi, le meilleur attaquant, un des meilleurs attaquants du jeu. Lacazette, on a les contres avec lui, il court vite. On bouge des défenseurs de ouf. Et voilà, au fond, moi je prends mon kiff avec ce joueur, car il peut jouer tellement cocasse, comme tellement renard des surfaces, que enfin, je suis impressionné. Alors, oui, évidemment, il a que 14 buts, parce qu'en fait, à la base, cette équipe-là n'est pas cette équipe-là. Hein. À la base, cette équipe-là, je ne joue pas avec. J'ai commencé ce week-end et j'ai pris mon kiff de malade. Et du coup, je vous la propose. Merci la communauté FUT si vous me prenez, parce que cette équipe, franchement, me tient largement à cœur. Et j'ai fait du sale avec. J'ai monté de la division 8 à la division 5 avec cette équipe-là. Je sais même pas si j'ai perdu 3 matchs. Franchement, trop fat. Trop balèze l'équipe. Donc voilà. Si vous voulez en connaître plus sur moi, bah allez voir ma chaîne YouTube, Captain Kiba, dans la description. Ou alors si vous êtes déjà sur ma chaîne, bah coucou, allez voir la communauté FUT qui sera dans ma description aussi, qui est dans ma subbox. J'espère que vous me prendrez les gars, ce serait vachement cool, ça va m'aider. En tout cas, voilà, j'ai plusieurs projets, etc. Niveau vocal, je veux pas être juste joueur, j'aimerais bien être commentateur, des choses comme ça. Donc permettez-moi de faire un pas en avant. Et voilà, merci à vous d'avoir vu cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Allez faire un tour sur la communauté FUT. Il y a des petits concurrents qui ont essayé de se gratter à moi. Je vois, il y a de la bonne qualité. Chaque vidéo upload, c'est de la bonne qualité. Moi, voilà. Je suis pas comme eux. Je suis pas un humoriste. Je suis pas un joueur qui met des petites flammes, des petits sons trap dans ses vidéos. Je suis plus un connaisseur de FUT, un connaisseur de FIFA. J'y joue depuis que je suis tout gosse. Avant de toucher à mon zizi, je touchais au joystick de ma manette. Donc voilà, c'était Kiba, merci d'avoir suivi cette vidéo, moi je vous dis à la prochaine, allez faire un tour sur la chaîne de la communauté FUT, vous allez voir une foison de youtubeurs talentueux, prometteurs, c'était Kiba, à plus.